Every night I'm going on the grid, texting back, I want you. Hit you up, I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad reception out there. You had me at a low, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else, I got you, and you got me too. You can ride out of the blue, I wanna do what you want to. Alors aujourd'hui on est jeudi, là il est bientôt 14h et je vais aller m'entraîner. Aujourd'hui je fais le bas du corps en espérant que ma séance soit mieux que celle de lundi. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous comprendrez de quoi je parle. Mais bref, j'ai mis mon leggings bubblegum aujourd'hui. On voit pas bien, attendez. Voilà. Parce qu'en fait j'ai mon tan qui est à moitié parti et du coup j'ai l'air super blanche. Et quand je mets ce leggings, en fait j'ai l'air beaucoup plus bronzée. Donc voilà. Et puis ce matin j'ai de nouveau atteint un nouveau poids le plus bas, donc c'est le troisième de suite que j'atteins. En fait j'ai commencé la semaine à 62,8, ensuite j'ai atteint 62,5, 62,3 hier et ce matin 62,2. Donc je suis plutôt contente par rapport à ça, mes macros n'ont toujours pas changé depuis le début de la sèche, donc c'est cool. Je pense que la semaine prochaine j'aurai pas de changement, j'espère. Et puis ouais, c'est tout. Je vais essayer de filmer un peu mon entraînement, je vous le mettrai. Et puis demain je vais à Zurich, je vais voir une copine à Zurich. Donc j'irai m'entraîner le matin, je la vois ensuite, je vais voir son petit chien. Elle a un petit chien depuis pas très longtemps, il est trop chou. Et à 17h j'aurai un rendez-vous pour une douche bronzante. Donc du tan en gros, mais qu'on m'applique à Zurich aussi. Là je viens de terminer mon entraînement jambes et je vous ai filmé l'entraînement en entier. Et je me suis dit que j'allais faire un entraînement expliqué avec une voix off par-dessus en vous expliquant un peu les mouvements, en vous donnant des conseils, etc. Et en fait je vous le mets dans cette vidéo parce que dans ma vidéo précédente il y a aussi un question-réponse qui est assez long. Mais il y a des questions vraiment très intéressantes. Donc si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo ici en haut, je sais pas de quel côté, bref. Et puis voilà, moi maintenant je vais aller faire mon cardio et puis je vous mets tout de suite les clips. Alors j'ai commencé cet entraînement jambes en faisant de l'activation des fessiers. Donc si vous avez de la peine à sentir vos fessiers lorsque vous faites les jambes, je vous conseille vraiment de faire de l'activation des fessiers au tout début pour un peu réveiller en fait vos fessiers et pouvoir mieux les sentir, mieux les utiliser durant votre entraînement. Donc là j'ai commencé par des abductions de hanches et j'ai fait deux séries d'environ 50 répétitions. Donc moi ce que j'aime bien faire sur les abductions de hanches, c'est que je commence par 15 répétitions avec un poids assez moyen. Ensuite je mets un poids beaucoup plus lourd. Je fais encore 10 répétitions et je mets un poids vraiment léger et je fais encore 25 répétitions. En faisant des répétitions comme ça me permettent vraiment, vraiment de réveiller mes fessiers. Honnêtement, après ça, j'ai vraiment les fesses en feu. Donc ce qui est important sur cet exercice, c'est vraiment de recruter vos fessiers et de vraiment vous concentrer sur la connexion esprit-muscle, vous concentrer sur ressentir le muscle et utiliser le muscle pour faire bouger le poids. C'est pas juste les genoux qui s'ouvrent et qui se referment, c'est vraiment les fessiers qui font ouvrir les genoux.
Ensuite, toujours un exercice d'activation des fessiers, j'ai fait des squats à la poulie. Là, c'est pas tout à fait une poulie, en fait, c'est une kinésis. Donc, si vous avez une kinésis dans votre salle, c'est super parce que c'est vraiment une super machine. Mais vous pouvez tout à fait utiliser des poulies à la place ou des haltères assez légers. Là, j'ai fait deux séries aussi de environ 15 répétitions. Vous voyez, je vais pas vraiment en full amplitude de mouvement, je vais pas vraiment tout en bas. Bon, avant tout parce que le poids se bloque à ce moment-là, mais aussi pour pouvoir vraiment rester sous tension tout le long et utiliser uniquement mes fesses. Je mets un poids assez léger. Ensuite, je suis aussi passée à des deadlifts roumains, la même chose, un poids assez léger, aussi deux séries d'environ 15 répétitions. Et là, j'essaye vraiment uniquement de recruter mes fessiers et pas mes ischios, donc je vais pas trop bas. Et ce mouvement est un peu difficile à faire, mais je le fais encore dans mon entraînement plus tard, donc je vous donnerai des conseils pour mieux sentir vos fessiers sur cet exercice un peu plus tard dans la vidéo. Le troisième exercice, j'ai fait des leg extensions. C'était toujours un peu dans le cadre de mon échauffement parce que j'aime bien faire un peu des leg extensions avant mes deadlifts et avant mes squats pour justement activer mes cuisses. Donc j'ai fait tout d'abord une série d'environ 40 répétitions. J'ai fait 10 répétitions à deux jambes, 5 répétitions à une jambe, 5 répétitions avec l'autre jambe et à nouveau 20 répétitions avec les deux jambes. Et j'ai encore fait une deuxième série ensuite où j'ai mis un peu plus lourd et j'ai fait environ 12 répétitions à deux jambes. Donc sur la première série, on va vraiment mettre un poids assez léger. Et puis c'est sur la deuxième série qu'on va un tout petit peu plus charger. Mais honnêtement, là, mon but n'était pas vraiment de faire des séries de travail, mais c'était plutôt dans le cadre d'un échauffement. Je suis ensuite passée à mon premier vrai exercice de mon entraînement, qui était donc des deadlifts. Donc j'ai commencé par m'échauffer. Donc là, vous voyez, je fais quelques séries à vide pour m'habituer au mouvement, pour ouvrir mes hanches. Et ensuite, j'ai fait une série d'échauffement assez légère. Là, j'ai 60 kg sur la barre. J'ai une vidéo complète qui explique comment je m'échauffe pour mes deadlifts. Donc je vous la mets en haut de la vidéo. Et j'ai une deuxième vidéo sur la technique des deadlifts. Je vais vraiment dans les détails, je vous explique tout sur les deadlifts, comment les faire correctement. Donc si ça vous intéresse, cette vidéo, je vous la mets aussi en dessus. N'hésitez pas à aller regarder ces deux vidéos. Donc là, j'ai encore fait une série d'échauffements. Cette fois, j'avais 80 kg sur la barre. Et puis, ce que j'aime bien faire aussi entre mes séries d'échauffements pour les deadlifts, c'est notamment des tractions pour un petit peu activer mes grands dorsaux. Parce que lorsqu'on fait un deadlift, bon, si vous regardez ma vidéo explicative sur la technique, vous le saurez. Mais quand on fait un deadlift, il faut vraiment gainer tout son buste, y compris ses grands dorsaux, pour être plus fort et pouvoir soulever le poids plus facilement. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est des abdos. Donc là, je fais un petit peu des relevés de jambes pour réveiller mes abdos, les activer et pouvoir les engager plus facilement lorsque je fais mes deadlifts. Parce que lorsqu'on fait un deadlift, pour protéger son dos et pour être bien plus fort, il faut également contracter ses abdos. Il faut vraiment rester gainé tout le mouvement. Et parfois, si j'active pas mes abdos avant ou entre mes séries d'échauffement, j'ai un peu de la peine à les engager durant les répétitions. Donc j'aime bien faire quelques abdos au milieu. Ensuite, j'ai commencé avec ma première série de travail. Donc j'ai commencé avec 100 kg et j'ai fait en fait deux séries de 5 répétitions à 100 kg. Vous voyez que j'ai commencé à utiliser des straps parce que à partir de 100 kg, honnêtement, pour moi, c'est un peu difficile de tenir ma barre. J'y arrive, mais je veux pas trop devoir me concentrer sur ma prise et je préfère me concentrer sur mes jambes. C'est pour ça que j'utilise des straps. Pour information, les straps qu'on voit sur la vidéo ainsi que ma ceinture sont des accessoires de ma propre marque qui va bientôt sortir. Il y a eu beaucoup de retard à cause du coronavirus, forcément, mais normalement, je devrais bientôt les recevoir et elles seront bientôt dispo sur mon site internet. Ensuite, j'ai mis un peu plus lourd sur ma barre, donc je suis passée à 120 kg. Et honnêtement, j'aurais bien voulu viser les 4 répétitions, mais ce jour-là, la barre était vraiment très très lourde. J'étais pas super en forme et j'ai donc fait que 3 séries de 2 répétitions à 120 kg. Après les deadlifts, j'ai fait des front squats. Donc là, j'avais 60 kg sur ma barre. J'ai fait une série d'échauffements à 40 kg, puis une série d'échauffements à 50 kg. Je les ai juste pas filmés. Mais là, c'était mes séries de travail, donc à 60 kg. Et j'ai fait 3 séries de 8 répétitions. Sur les front squats, il faut forcément de la mobilité de hanches et de chevilles, comme pour n'importe quel squat. Mais sur les front, il faut spécialement de la mobilité de poignet. Donc si vous avez mal au poignet lorsque vous faites des front squats, essayez de travailler aussi votre mobilité de poignet.
et finalement les derniers exercices. Donc j'ai tout d'abord fait des deadlifts roumains. Personnellement, j'ai un petit peu mal aux ischios, donc je ne peux pas vraiment aller trop bas, mais ça me permet de vraiment me concentrer sur les fesses. Donc un petit conseil pour cet exercice, si vous sentez trop votre dos, essayez d'envisager cet exercice comme un exercice horizontal et non pas comme un exercice vertical. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la barre qui monte et qui descend, mais c'est vos hanches qui vont vers l'arrière et qui vont vers l'avant. En fait, vos hanches, vous les reculez le plus que vous pouvez, peu importe la barre jusqu'où elle descend, et puis ensuite vous contractez les fessiers pour ramener les hanches vers l'avant. Et à ce moment-là, vous allez beaucoup mieux sentir vos fessiers. C'est aussi important d'engager vos abdos pour désengager votre dos. Et j'ai fait cet exercice en superset avec des fentes curtsy, c'est-à-dire des fentes arrière où on va croiser les jambes derrière. Donc là, j'ai fait 4 fois ce superset. Pour les deadlifts roumains, j'ai fait entre 12 et 15 répétitions. Et pour les curtsy lunge, j'ai fait environ entre 8 et 12 répétitions par jambe. Alors, je viens de revenir de l'entraînement, je vais juste me faire un truc à manger. Donc, j'ai mixé des glaçons et 60 g de bananes congelées avec de la whey, celle à la vanille de chez Nutri. Et puis dessus, je vais juste mettre encore de l'épeautre soufflée. Donc j'ai pas mis de gomme de goire cette fois, mais y a de la banane, du coup ça fait plus épais, c'est ça qui fait la consistance, cette consistance incroyable. Donc le bol entier avec la banane, les céréales et tout ça, ça fait 25 g de protéines, 35 g de glucides et 2 g de lipides. Je me rends compte que je vous montre que des trucs sucrés ces jours, alors je vais juste vous montrer ce que je me fais comme repas en fait. Comme vrai repas. Donc là j'ai de l'oignon rouge, des petits pois et puis des champignons qui sont cuits, qui sont prêts. Ici j'ai du poulet. Donc pour ce soir, 180 g de poulet. Il y a 150 g de petits pois, 50 g d'oignon rouge et 50 g de champignons. Sur les petits pois, je vais mettre un petit peu de beurre. Avec le poulet, je vais mettre un peu de ketchup. Et puis ici, je vais directement préparer pour demain un tup en fait. Parce que ben voilà, comme je suis à Zurich toute la journée, enfin je vais être là-bas vers midi. Donc je prends un tup avec moi, je me fais exactement la même chose. Donc oignon rouge, petits pois, champignons, poulet. Ça c'est l'assiette à Luca. Donc voilà, je ne mange pas que mes muesli le matin et des bols protéinés et du chocolat. Je mange aussi en fait des légumes. Il faudrait que je vous montre un peu plus souvent en fait. Donc voilà, j'ai les légumes. Dessus j'ai mis 6 g de beurre qui a déjà à moitié fondu. Le poulet, sur le tout j'ai mis du sel et puis je vais encore mettre du ketchup. J'ai trouvé du ketchup sans sucre parce qu'il y a moins de glucides dedans. Donc j'économise un peu de glucides là-dessus. Et puis pour tout mon repas, j'ai donc 53 g de protéines, 25 g de glucides et 8 g de lipides. Voilà. J'ai oublié aussi des épinards, mais il me restait que 10 g, 15 g, donc il y a genre 3 feuilles. Alors aujourd'hui on est vendredi, il est bientôt 9h et là je vais aller m'entraîner. Je suis pas trop du matin normalement par rapport à l'entraînement, mais voilà, comme je pars à Zurich en fin de matinée et à 17h j'ai une douche bronzante, donc je pourrais pas m'entraîner ce soir. Donc je vais aller maintenant faire un entraînement haut du corps et je partirai directement pour Zurich. Et puis ce matin j'ai de nouveau atteint un nouveau poids le plus bas, j'ai atteint 62 kg aujourd'hui. Donc ça fait le 4e jour de suite je crois que mon poids diminue, donc c'est cool. Here's what I like. Laying on the beach with sunlight in my eyes, laughing with my friends under the sky, following our hearts, so then we take a ride wherever. I always try to let my spirit fly, fly away. That's the only way to get that high, high, always. If you're looking for trouble, we'll be right back.
Alors, je viens juste de terminer mon entraînement. En fait, je suis repassée à la maison parce qu'en fait, les shorts, hein, jeans que j'avais pris avec pour me changer, ils me sont beaucoup trop grands. Ils me tiennent pas et je savais pas. Donc je suis juste allée mettre des autres shorts en jeans et puis là ben voilà je pars pour Zurich, donc là il est 11h, je vais arriver là-bas vers midi et demi. Et mon entraînement, ben, comme vous avez vu, j'ai fait principalement les épaules et les bras et j'ai plutôt eu un bon entraînement, étonnamment. Alors je viens juste d'arriver et j'attends ma copine, c'est un peu le bordel, il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde. Mais voilà. Alors on a passé l'après-midi en ville, là je vais juste manger mon teup que je me suis préparé hier. Et puis je vais vite chez elle, encore un petit coup pour voir bah, son chien. Je veux le même. On va demander. Alors je viens de me parquer en face du salon pour bah, la douche bronzante, donc c'est là. On verra ce que ça donne. Alors j'ai juste de terminer la douche bronzante, c'est trop bien, franchement. On entre dedans, ça fait un spray devant, côté, côté, derrière, comme dans Friends. J'ai pensé à Ross, mais c'est fait en 2 secondes, vraiment, ça sèche tout de suite parce qu'il y a encore un spray qui sèche. Et puis en fait ça va, pendant 8 heures ça va se développer. Et puis demain j'aurai le résultat final. En fait j'ai oublié de vous dire, si jamais vous voulez essayer, bon c'est à Zurich, après faut que vous soyez peut-être sur place ou pas loin, ou que vous passiez une journée là-bas. Mais si jamais vous voulez y aller, c'est Tanning Station. Et franchement c'est trop bien, en 2 minutes c'est fait. Je me réjouis de voir le résultat vraiment demain. Mais franchement, moi je vais retourner, c'est sûr. Alors je suis en train de me faire à manger, donc là j'ai fait des légumes, donc bon, vous avez vu avant, mais ils sont cuits, donc j'ai des asperges, des épinards, du poivron et des brocolis, et puis avec ça je vais aussi manger, je me suis déjà préparée. Là j'ai 2 galettes de riz avec du saumon fumé, donc voilà pour mon repas. Ensuite je crois qu'il me reste encore des maquereaux, donc je verrai ce que je mange pour finir. Donc là c'est prêt, j'ai juste rajouté encore du beurre sur mes légumes, juste 6 grammes de beurre. Et du coup les maquereaux se montent pour, pardon, les maquereaux pour tout mon repas se montent à 26 grammes de protéines, 23 grammes de glucides et 16 grammes de lipides. Et si je fais encore un dessert, combien il me reste? Ouais, il me reste encore, oh purée, il me reste encore 30 grammes de glucides et 15 grammes de lipides. Donc on verra ce que je mange après. La joie quand je vois que j'ai encore des macros. On va mettre ça sur Instagram aussi. Bon appétit. À part ça, vu que je mange des légumes, je vais venir là-dessus en fait, parce que souvent on me demande
Ah, pourquoi tu manges tel ou tel légume? Genre, pourquoi tu manges des asperges? Pourquoi tu manges des fenouilles? Des trucs comme ça. Parce que bah, l'année passée, je mangeais énormément de fenouilles crues. J'avais une phase vraiment où je mangeais tous les soirs du fenouil. Et en fait, on me posait toujours des questions du genre, tu manges ça parce que ça fait maigrir? Ou tu manges ça parce que c'est diurétique? Et en fait, honnêtement, non, je mange des légumes parce que j'aime ça. J'adore les légumes, vraiment. En fait, c'est hyper simple. Moi, si j'aime pas un truc, je vais juste pas le manger. Je l'ai mis en story l'autre jour d'ailleurs en expliquant ça. C'est que si je mange quelque chose, c'est parce que j'aime ça. Je vais jamais manger quelque chose que j'aime pas, en fait. Et je vais jamais manger quelque chose que j'aime pas juste pour ses propriétés, surtout, enfin, propriétés minceurs ou n'importe quoi, ça c'est des conneries. Mais après, je vais pas non plus. Par exemple, quand je vous montre les glaces Hello Top ou des trucs comme ça, si je les mange, c'est parce que je les aime. Donc il y a pas besoin, en fait, de me demander toujours, ah, mais t'aimes? Parce que oui, si j'aimais pas, je les mangerais pas. Enfin, c'est un peu logique, c'est pas je les mange pas uniquement parce qu'elles sont basses en calories. Je les mange parce que je les trouve bonnes. Enfin, c'est logique. Enfin, bref. Voilà, je voulais juste. Bah, ça en fait pour ça, ça en fait. Alors, je me suis fait mon premier dessert qui sont donc deux galettes de riz avec du peanut dessus. Peanut butter de chez Nutri, évidemment. Et puis j'avais même oublié, mais en fait j'avais déjà enregistré 30 grammes de protéines et puis de l'épeautre soufflée pour me faire mon bol de protéines. Donc ça, je pourrais me le faire encore après. Là, je peux manger mes deux galettes de riz et je crois qu'il me reste encore des macros malgré ça. Donc en fait, j'ai vraiment pas beaucoup mangé aujourd'hui. Je remarque maintenant, j'ai juste mangé mon petit déjeuner. Après l'entraînement, j'ai mangé un pudding protéiné et puis mon top quand j'étais à Zurich. Mais c'est tout, donc c'est trop bien en fait parce que j'aime trop le soir quand t'as plein de trucs à manger. Il faudrait que je fasse ça plus souvent, que je garde des macros en début de la journée pour le soir, parce que franchement là ça fait ma soirée quand je me dis je peux encore manger tout ça. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais dessus j'ai juste mis un peu de stevia pour faire un peu plus sucré. Donc là j'ai mixé des protéines en poudre vanille avec un peu de banane et des glaçons, et puis dessus j'ai mis mes flocons d'épeautre, et avec ça je vais terminer mes macros pour aujourd'hui. Et j'arrive à 147 de glucides sur 150, 153 de protéines sur 150 et 74 grammes de lipides sur 80. Je suis un tout petit peu en dessous aujourd'hui, surtout mes lipides, mais voilà, c'est pas grave. Alors, je viens juste de me lever. Ce matin, je faisais 62 kilos, donc comme hier, il n'y a pas de nouveau poids le plus bas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je veux juste vous montrer le résultat du tan, je suis trop contente. Ça donne hyper naturel, c'est hyper uniforme, c'est trop bien. Et c'est beaucoup plus facile que de se mettre de l'auto-bronze en soi-même, ce que je fais ben, d'habitude, mais ça facilite la vie. Donc comme je vous dis, moi je vais vraiment retourner quand je serai à Zurich, en tout cas. Et puis ouais, je vais faire du posing encore un petit peu. Alors il est midi, je viens d'avoir une consultation avec une cliente et là je vais aller à la salle faire mon cardio. Je vais juste passer chez une copine avant. Et aujourd'hui je fais que mon cardio, je m'entraîne pas. Je vais à la salle parce que j'ai pas trop envie de le faire ici. En plus je crois qu'il y a le voisin du dessous qui dort. Je crois qu'il bosse de nuit. Et du coup le matin il dort et je veux pas risquer de le réveiller en fait. Donc je vais aller à la salle le faire. En fait j'ai oublié de vous dire, mais en fait j'ai discuté avec la fille hier quand j'ai fait le tanning et on a parlé de mes réseaux, et du coup aujourd'hui elle m'a envoyé un code de moins 10% pour mes followers, qui est donc le code Fit by Chloé. Donc si vous voulez essayer, bah voilà, vous avez 10% avec le code. Par contre c'est, bah, c'est juste que c'est à Zurich. Alors je viens de finir mon cardio. Franchement c'était... C'est pas que c'était dur, mais en fait je fais une petite détox de café parce que ces derniers temps j'en bois trop et je vois que ça a fait un peu l'effet inverse. Donc en fait au lieu de me stimuler ça me fout en bas, et du coup je me suis dit que j'allais faire une détox de café. Donc hier j'ai bu que 2 cafés sur ma journée. Normalement c'est plutôt 5-6 plus parfois un pré-workout plus du Coca Zero. Donc hier j'ai bu que 2 cafés et aujourd'hui j'ai bu que 2 déca.
Donc j'ai pas bu de café, donc je vais faire une petite détox aujourd'hui, demain, peut-être lundi, mais enfin lundi j'ai un shooting normalement, donc j'aimerais bien avoir l'air un peu réveillée. Parce qu'aujourd'hui honnêtement j'ai la tête dans le cul, c'est un truc de fou. Mais voilà, sinon je vais juste faire des handstands parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, je vais juste en faire 2 minutes. Et puis ensuite je vais aller manger et je vais terminer cette vidéo ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.